Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing pour changer, mais là on va changer parce que c'est unboxing point de croix. Il y a la société, alors la boutique, alors je regarde, Cross Stitch, voilà, qui m'a contactée pour me demander si je voulais bien présenter des articles de leur boutique. Donc j'ai dit oui, puisque vous savez que moi les points de croix j'en fais, donc il n'y avait pas de souci. Ils ne font pardon, ils font que du point de croix, enfin que de la broderie dans leur site. Donc j'ai mis le site ouvert sur mon ordinateur. Alors, de temps en temps, vous allez me voir tourner mes yeux vers l'ordi. Donc voilà, j'ai reçu le petit paquet ce matin. Voilà, donc ça a été assez rapide. Hein. J'ai reçu, ça a mis pour une petite quinzaine, voilà, à peine. Donc, on va mettre le paquet là. Donc, j'ai pu choisir 3 kits. Voilà, j'avais un certain montant à respecter. Et avec ce montant, donc, j'ai pu choisir 3 kits. Alors, je vais vous montrer d'abord le plus petit. Alors, je vais me le mettre à l'écran. Voilà, alors, je vous le montre. Alors, le plus petit, c'est ça. Voilà. Ce sont des feuilles, hein. Je ne sais pas à quel genre de feuilles ça ressemble, mais enfin c'est une plante, hein, des feuilles de plante. Alors c'est un point de croix estampé qu'on appelle ça. Là, j'ai un chat dans la gorge, ça commence. Alors je vais ouvrir le paquet pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Hop, je vais tout sortir. Alors, comme d'habitude, je vous remettrai en barre d'infos tous les liens nécessaires, les liens des kits que j'ai choisis et le lien de la boutique, bien sûr. Alors là, c'est vraiment un tout petit, c'est parce qu'il restait une petite somme dans la somme qui m'était allouée. Et donc, j'avais choisi. Donc là, j'avais choisi vraiment un tout petit kit. Pour finir la somme, voilà. Donc vous allez voir, il est tout petit, mais ça n'est pas grave. Voilà, donc c'est un tout petit, hop, voilà, comme ça. Donc il fait la taille 16/15, mais bon là, je pense qu'il est un peu plus... Ah, attendez, je vais prendre avec ma règle. Alors, il fait 11. Pardon. Alors, j'arrive pas à passer. 11/10,5. Voilà. Donc, celui-là est un imprimé. Donc, vous avez les références couleurs de chaque côté. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, ce genre de kit, quand vous allez le broder, une fois qu'il est terminé, vous allez le passer à l'eau. Pour que toutes les impressions s'effacent automatiquement. Voilà. Donc, ça comme ça, parce que là, vous voyez, il y a un quadrillage. Et il faudrait bien que ça s'efface pour que vous puissiez l'encadrer après. Donc, celui-là, alors, j'ai avec les couleurs, les fils, voilà. Donc là, j'ai pas beaucoup de couleurs, hein, puisque j'en ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 couleurs avec, voilà. Et j'ai une aiguille derrière, voilà, ici, dans le petit sachet. Donc avec, j'ai... une feuille récapitulative. Alors vous avez le modèle et ici vous avez les couleurs et donc vous avez vos références DMC. Voilà,
Donc, ce qui fait, et derrière, vous avez la grille du modèle. Ce qui fait que ben, vous pouvez le faire là-dessus. Et si vous voulez le refaire avec du DMC et sur une toile, une autre toile, ben, vous avez votre grille derrière avec vos références DMC. Voilà. Par exemple, si, comme là c'est un petit kit pour si vous avez des enfants à la maison, des filles, bon, des garçons aussi, hein, pourquoi pas, il y a des garçons qui brodent, peut-être laisser votre, votre petite fille ou quoi broder dessus et vous refaire le modèle sur une autre toile. Voilà, c'est tout à fait possible. Et bon, là c'est la feuille de présentation. Voilà. Donc celui-là n'était pas très cher. Hein. Bon là, il est affiché en dollars. Il était à 3,44 $. Donc ça doit être dans les 3 euros à peu près, je crois, en euros. Donc on va le remettre dedans. Je vais remettre la feuille de présentation à l'endroit. Alors, sur le, la pochette, pareil, vous avez les explications. Je vais vous les montrer. Je mettais. Ranger la feuille pour que vous voyez bien. Voilà. Alors derrière, pareil, vous avez les explications. Bon, malheureusement, le texte n'est pas en français, hein, il est en anglais. Mais alors, qu'est-ce qui est. Alors là, elle me montre avec un fer à repasser. After finish. Alors, après finition, je. Ah voilà. Donc il faut le. Bon, je traduis avec ma traduction en moins. Donc quand vous avez fini, il faut le tremper dans l'eau à 30 degrés. Voilà. Pendant 3 heures, voilà, c'est ce que moi je lis, hein. Donc pendant 3 heures vous mettez votre kit dans l'eau, dans une eau à 30 degrés pour que toutes les tout ce qui est imprimé sur la toile s'efface. Voilà, j'ai traduit comme j'ai pu, hein. Mon anglais est très loin. Donc ça c'était le premier petit kit. Le deuxième. Alors, je vais mettre sur la page pour le deuxième. Voilà. Ce sont des petits oiseaux avec un paysage d'hiver, hivernal. Donc, derrière, c'est exactement la même chose hein, que sur l'autre. Les explications. Donc là, vous n'avez pas besoin de découper. Vous voyez, c'est des pochettes zip. Donc c'est bien. Vous n'avez pas besoin de découper le plastique pour récupérer. C'est une pochette zip. Donc au moins, elle ne va pas s'abîmer pour ranger votre ouvrage. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, comme ceci. Donc là, l'ouvrage est plus grand, hein, il fait 50 sur 29, enfin la toile fait 50 sur 29. Donc le dessin en lui-même fait alors 21. Là, je suis à 30. 40. Voilà, il fait 21 sur 40. Donc là, il va être, il y a beaucoup de broderie, hein, beaucoup plus de broderie à faire. Et là, il est, là, comme je vois qu'il y a du blanc, ouais, il sera brodé entièrement. Toute la toile est à broder. Donc celui-là, à combien de couleurs? À 30 couleurs. Donc, pareil, vous avez vos fils à broder.
Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, alors c'est du 14 CT. Alors le CT, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais donc, cela se brode avec du deux fils. Oui, voilà. Donc, il se brode avec du deux fils. Quand vous avez sur ce site-là du 11 CT, ça se brode avec du trois fils. Voilà. Donc là, c'est du deux fils hein, pour broder. Voilà, donc les couleurs. Bon, là, bien sûr, il y a un peu plus de blanc, puisque c'est un paysage avec de la neige. Et j'ai toujours ma petite aiguille ici. Il y en a même deux. Donc, on va retrouver. Ah, elle est en plusieurs parties. On va retrouver notre grille. Voilà, donc une première partie comme ça. Une deuxième partie comme ceci. Une troisième comme ceci. Et une quatrième comme ceci. Voilà. Et donc, là, vous avez pareil, toutes les références des fils avec les références DMC ici en bas. Voilà, sur chaque fil. Donc, vous vous repérez et ils ont remis un petit dessin pour retrouver les grilles. Voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour savoir à quoi ça correspond, pour savoir où vous en êtes. Alors, les broderies, moi, ce que je fais, bon, là, elles sont en couleur, mais c'est pas un problème. Moi, j'imprime toujours. Voilà. Je préfère imprimer. Et puis, comme ça, ben, je peux barrer ce que j'ai déjà fait. Comme ça, je me perds pas. Et là, ce qui est bien sur cette grille-là, vous voyez, c'est quand même assez grand. Donc, pour les vieux yeux comme moi, ça va être pratique. Et c'est pratique de faire des carrés de 10-10, brodés par un carré de 10-10, comme ça, c'est plus simple. Enfin, pour ceux qui brodent, bon, elles ont l'habitude de faire à leur manière. Mais pour celles qui n'ont pas l'habitude, je trouve que c'est une bonne manière de faire. Surtout quand c'est des grands ouvrages comme ça. Enfin là, il est moyen l'ouvrage. Voilà. Donc celui-là, c'était le deuxième. Et celui-là, il était à 7,80 $ à peu près. Donc ça doit être dans. C'est pareil, c'est dans les 7 euros, 7 euros ou un peu moins. Donc vous voyez, c'est pas très cher, hein. Bon, c'est sur la toile Aïda. Et le dernier, donc c'est le plus grand, enfin le plus grand. C'est celui qui aura le plus de couleurs déjà. Alors celui-là, je l'ai choisi, moi je l'ai déjà fait en DP. Mais je ne l'ai j'ai pas fini en DP. C'était il y a longtemps, il y a plus de 3 ans maintenant, et je ne l'ai jamais fini. Et puis en plus, il s'est abîmé, donc voilà. Donc j'espère pouvoir faire celui-là. Alors, ici, il faut que je trouve le bout. Alors voilà le dessin. J'espère que vous voyez bien, ça brille un peu. Je vais vous le remontrer sans le plastique. Alors là, je cherche le bout. Il y a le plastique et il y a la pochette à l'intérieur. Je cherche. Il est où? Ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Et donc on a bien la pochette plastique. Alors là c'est une pression. Hop, voilà. Alors celle-ci est différente.
Donc, c'est un point de croix compté. Donc, normalement, si je n'ai pas encore déballé, mais ça devrait être une toile blanche. Alors, je vous remonte le dessin sans le plastique, vous verrez mieux. Voilà. Vous voyez ? Donc, celles qui font du DP ont peut-être déjà vu ce dessin. Oui, c'est une toile blanche. Toile blanche. Ah, avec. C'est bien. Alors, je vais vous montrer. Oula, je vais tomber les aiguilles. Voilà. Donc, j'ai un paquet avec une aiguille dedans. Bon, là, j'en ai qu'une. Mais bon. De toute façon, les aiguilles, j'en ai toujours pas mal dans ma boîte à broder. Alors là, j'ai beaucoup de fils. Je vais vous le montrer d'abord. Voilà, d'abord les premiers. Donc là, il y aurait 38 couleurs. Voilà. Donc celui-là, c'est toujours un 14 CT. Donc, il se brode, je vérifie quand même. Il se brode toujours avec deux brins, avec deux fils. Et les autres couleurs. Hop. Voilà, les autres. Alors, je vous les montrer d'abord d'un côté et après de l'autre. Voilà, le premier côté de couleur. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous préférez, c'est les remettre sur des trucs comme ça. Voilà. Vous pouvez les mettre sur des... Vous avez compris, hein, je sais plus le nom. Mais bon, moi je les laisse dessus. Et voilà le reste des couleurs. Alors, ici je disais, c'est une toile blanche, mais qui est quadrillée. Donc c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, là, le dessin n'est pas dessus, mais je vous montre de près. Voilà, elle est quadrillée. Donc, mes petits carrés de 10-10 sont déjà faits. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, pareil, hein, c'est une toile Aïda, hein, ça. Et hop, et je vais vous montrer donc la grille. Alors, donc voilà, je suis à l'envers peut-être là. Je pense que c'est dans ce sens-là. Je vois pas, moi j'ai pas trop le retour là, donc bon. Je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre. Ouais, je pense. Dans ce sens-là. J'ai un miroir derrière mon téléphone, donc j'essaye de voir. Ouais, je pense que c'est comme ça, dans ce sens-là. Bon. Voilà, et là j'ai le reste de là, il est dans le bon sens, c'est sûr, du dessin. Et ici en bas, donc de chaque côté, voilà, j'ai les références. Alors, par contre, sur celui-ci, je n'ai pas les DMC. Non, sur celui-ci, je n'ai pas les DMC. Bon. Vous voyez, c'est écrit en... Je dirais que c'est du russe ou... Voilà. Ouais. Je ne sais pas si c'est du russe ou... c'est pas du chinois, en tout cas. Bon, on s'en fiche, hein. C'est pas ça le plus important. Donc voilà, les trois kits que j'avais choisis.
Bon, je sais pas. Bon, moi, je les ferai peut-être dans l'année, hein. Parce que bon, j'ai encore des kits entamés qui sont pas terminés. J'enroule mes fils pour pas faire des bêtises. Donc un petit peu à la fois, vous verrez, vous les verrez que je ferai. Alors, j'essaye de ranger comme je peux. Bon, je rangerai après, c'est pas grave. Donc voilà, alors je vous rappelle, sur ce site-là, donc je regarde si j'ai des choses à vous dire. Hop, je vais aller voir. Je vais voir ce que... Dans l'email, des fois, j'ai des choses à dire. Hop, 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 allez. Voilà. Hop. Je vais mettre en français, hein, ce sera mieux, je comprendrai mieux. Parce que je reçois les emails en anglais. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, traduire. Non, mais il n'y a rien de spécial à vous dire. Alors, donc voilà. Donc, quand vous allez sur le site, vous allez trouver sur la page d'accueil d'abord. Donc là, sur la page d'accueil, en ce moment, il y a beaucoup pour Noël. Il y a beaucoup de kits pour Noël. Vous avez alors, des kits pour les animaux, sur les animaux, Noël, les paysages, les fleurs, les dessins animés, les personnages. Après, vous aurez une rubrique avec les nouveaux arrivés, les nouveaux kits. Bon, il y a une rubrique aussi sur les meilleures ventes, hein, sur ce qui vend le plus. Alors, après, vous allez avoir une rubrique point de croix. Donc, alors, il y a le point de croix compté en 11 CT ou en 14 CT. Donc, le point de croix compté, c'est ce que je viens de vous montrer en dernier. Ce sont les toiles blanches qui ne sont pas imprimées, mais juste quadrillées en 10-10. Donc, si vous n'aimez pas broder sur une toile imprimée, ben, allez plutôt sur ces toiles-là, les points de croix comptés. Donc en 11 CT, quand on brode en 3 fils, ou alors les points de croix comptés 14 CT que vous allez broder en 2 fils. Après, vous avez les points de croix estampés en 11 ou en 14. Il a toujours pareil. Donc là, estampé, la toile est imprimée. Le dessin est déjà imprimé sur votre toile. Ça fait un peu le style Canva, les premiers que je vous ai montrés. C'est un peu comme le Canva. Donc là, vous l'avez pareil en 11 ou en 14. Après, vous avez une rubrique débutant qualifié haut niveau. Là, ça dépend. C'est surtout sur les tailles. En bricolage, alors vous avez donc des signés, c'est quoi? Ah oui, les marque-pages. Ils ont beaucoup de marque-pages à broder. Voilà, de toutes sortes. Dessins animés. Désolée, hein, si je ne regarde pas le téléphone, mais j'essaye de vous expliquer en même temps ce qu'il y a sur le site. Donc, des dessins animés, il y a des fleurs, il y a des Halloween. Voilà. Bon, c'est Géry, tous. Il y a des Halloween, il y a des Père Noël, il y a, bon, voilà, et tout ça. Après, vous avez la broderie de perles. Donc là, c'est des porte-clés que vous allez broder avec des perles. Voilà, donc pareil, là, il y a des Pères Noël, il y a des Hello Kitty, il y a des Smiley, des Mickey, des... Bon, il y a toutes sortes. Voilà, il y a même Pikachu. voilà, il y a beaucoup de choses. Après, alors, il y a des thés d'oreiller, enfin, des thés de coussin, il marque thé d'oreiller, mais c'est des coussins, des thés de coussin à broder.
Je regrette d'ailleurs ne pas en avoir choisi une. La prochaine fois, peut-être, j'en choisirai une. Donc, les têtes de coussin, pareil. Hein, vous en avez des sur les dessins animés, genre ça doit être délivré. Comment s'appelle la Reine des Neiges? Voilà. Bon, on se moque pas. Des licornes, des roses, des Mickey, des Pères Noël, il y a de tout, il y a des toutous, des fleurs, des bateaux, il y a plein de modèles hein, avec donc les housses de coussin. Donc les housses de coussin, alors je crois qu'elles font toutes la même taille à peu près. Ouais, il y a des 45-45, il y a des 40-40. Je crois que c'est ça en taille. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Je vérifie. Oui, c'est ça. 45-45 ou 40-40. Voilà. Là, vous avez de jolis modèles. Et je crois. Alors, attendez, je vais en ouvrir une. Hop, je vais la mettre en plus gros. Je crois que c'est avec la. Alors, ils me disent quoi là? Ouais, là, ça se fait en trois brins, normalement, je pense. Oui, c'est ça. Celui que là, j'en ai ouvert un, c'était en trois brins. Je ne sais pas si... Je pense qu'ils sont tous en 11 CT. Oui, ils ont l'air d'être tous en 11 CT. Mais bon. Voilà. Donc, parce que là, les points sont un peu plus gros. Mais bon, comme c'est du coussin, c'est un peu normal. Ensuite, nous avons, alors là, il nous marque, alors, broderie. Qu'est-ce qu'on a? Des petits objets à broder. Miroir de maquillage. Éventail. Des éventails. Pas des éventaux, hein, des éventails. Et encore des marque-pages avec des petits pompons, des kits de broderie avec le cercle à broder, mais donc il va vous servir d'encadrement. Voilà. Alors là, par contre, c'est la broderie. C'est pas... Attendez que je regarde de près. Ah là, c'est pas du point de croix. Là, c'est la broderie traditionnelle. Voilà. Voilà. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est la broderie traditionnelle. C'est pas du point de croix. Je regarde, ouais, c'est ça. Là, c'est la broderie traditionnelle. Donc, il y a des points lancés, des points nœuds, des... Voilà. Bon, celle-là, j'en ai déjà fait aussi, mais alors, il y a... Ça remonte, hein. Il y a très très longtemps. Après, vous avez une rubrique. Alors là, si vous voulez pas le chercher dans tout le site, si vous voulez retrouver que les trucs dessins animés, ben, vous tapez sur dessins animés ou que Noël, que personnage, etc. Personnaliser, c'est quoi? Ah oui. Vous avez possibilité de demander une broderie personnalisée avec une photo. Ben, c'est le même système que les DP. Donc vous envoyez votre photo et ils vous font un kit de broderie par rapport à la photo que vous allez envoyer. Voilà. Donc là le prix, alors ça doit être un prix qui marque. Ah ben il y a plusieurs tailles. Voilà, je viens de cliquer. Alors la première taille c'est 30-40. Je vous donne les prix en dollars, hein, mais il n'y a pas grande différence en euros. Hein. Ça fait environ 27 dollars. 40-50, ça fait environ 37 dollars. Après, vous pouvez faire en 50-70, ça fait 47 dollars. 60-90, ça fait 57 dollars. Et la plus grande taille que vous pouvez demander, donc c'est 80 sur 120. Voilà. Donc là, c'est vraiment le grand kit. Mais bon, il faut savoir que si vous faites avec une photo, plus vous le demanderez grand, plus votre broderie sera nette, plus le rendu sera meilleur hein, par rapport à une photo. C'est exactement la même chose que pour le DP.
Voilà, donc ça c'est une chose à savoir. Donc ensuite, vous avez une dernière rubrique, les accessoires de broderie. Donc vous allez trouver ben, des pinces, comment ça s'appelle? Là, la traduction n'est pas très bonne. Des supports. Alors, moi je crois que j'en ai un là, voilà. Moi j'en avais fabriqué, voilà, vous voyez, avec les ronds pour passer vos fils. Je sais plus, j'ai perdu le nom. Voilà, moi j'en faisais en fimo avant, voyez. Donc on mettait le fil, voilà, pour faire votre tri. Un trieur de fil, voilà. Donc eux ils en ont en bois, voilà, donc différents modèles. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des supports pour broder, des piques aiguilles, des petits coussins piques aiguilles. Ils ont des lots de fil à broder. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Des cadres de broderie carrés en plastique. Donc ça, moi, j'en ai un là aussi, mais il faudrait que je sorte tout. C'est un carré qu'on emboîte. C'est des tubes qu'on emboîte. Ça, c'est très bien, ça. Ça n'abîme pas du tout votre broderie. Ils ont aussi les ronds de broderie en bois. Il y a plein de choses. Hein. Des aiguilles, bien sûr. Des perles pour broder. Du tissu de broderie. Qu'est-ce que je peux encore vous dire qu'ils ont là, des ciseaux à broder, donc des beaux ciseaux à broder, ils sont vraiment jolis ceux-là. Donc un métier à broder en bois qu'on peut poser sur le fauteuil par exemple pour vous broder. Des mallettes, bien sûr, pour ranger tout nos matériels à broder. Mallettes, ils ont aussi une mallette pour mettre les trucs qu'on met dans la machine à coudre. Ah, ça y est, je commence à chercher les mots. Les bobines, mais qu'on met à l'intérieur de la machine à coudre. Enfin, vous avez compris. C'est comme une machine à coudre, vous compris. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Voilà. Ouais, des différents lots de fils. Il y a des lots avec du fil à broder et des cercles à broder. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et la dernière page. Pareil, des gros lots de fils à broder. Des cartonnettes, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le mot de ce que je vous montrais tout à l'heure. Ça, voilà, ça, les cartonnettes. Les cercles pour broder, il y a vraiment de toutes sortes. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses sur ce site qui a l'air vraiment intéressant, pas cher. C'est un site que je vous invite à visiter, si vous aimez la broderie, bien sûr. Bon, c'est pas parce que j'ai eu un partenariat avec eux, hein, mais c'est vraiment là, je trouve intéressant quand même, parce qu'il n'est pas cher. Donc, et là, bon, pour une fois, on peut avoir des kits, justement, qui ne sont pas imprimés, donc c'est intéressant. Donc, voilà. J'ai été peut-être beaucoup bavarde, mais je voulais vous présenter donc ces kits, vous présenter le site. Donc, je vais vous remettre en barre d'infos le lien du site internet, le lien également de ces trois kits, voilà, du plus petit au plus grand, si jamais il vous intéresse. Et nous, maintenant, on se retrouvera très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.